C'est quoi une distorsion cognitive? C'est un schéma de fonctionnement que nous avons appris très tôt dans notre enfance et qui va avoir un impact sur notre vie, sur nos actes, sur nos pensées, sur nos façons d'agir au quotidien. C'est en quelque sorte notre grille de lecture du monde, la façon dont on le voit, dont on le comprend et les règles que l'on va s'imposer dans ce monde. Cette grille de lecture nous est utile car c'est elle qui va nous donner ce sentiment d'appartenance à un groupe, à une communauté, et l'être humain a besoin de se sentir intégré à une communauté. Ces schémas nous sont inculqués très tôt dans notre enfance par nos parents, par notre éducation, en fonction du milieu social dans lequel on va naître, famille aisée, famille plus modeste, en fonction du pays, bien évidemment, mais également en fonction de la religion, de la morale. En fait, c'est tous les principes moraux que l'on va nous apprendre. C'est pour cela qu'il ne faut pas se laisser duper par nos distorsions cognitives, car ils sont simplement une interprétation du monde, une interprétation subjective. Alors pour vous aider dans votre vie quotidienne, le plus important c'est d'être capable de se rendre compte quand ce sont ces distorsions cognitives qui parlent et non pas vous.